fête d'Arafat a commencé là, moi je ne l'ai même pas fait direct même. Et puis je ne veux pas même. Mais de voir la petite Carmen assise par terre, hein, assise par terre, puis Tina Glamour croyait ses pieds sur un fauteuil, ça m'énerve. Et ça me fait fondre, ça me fait chier. C'est-à-dire que moi je suis personne, je ne fais pas direct comme ça. Je ne fais pas direct comme ça, mais je suis en colère, mais vous ne pouvez même pas imaginer quoi. Je suis dégoûté. Il y a quoi? Tu es maman ou bien c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Quand ça a commencé là, mes internautes, quand ça a commencé là, j'étais triste, mais j'étais dévasté. Même dans ma maison ici là, voir Bijou du monde là, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi même. Je dormais, elle est venue me réveiller à 13h. À 13h30, j'étais couché. Parce que je venais d'arriver d'un autre voyage, j'étais quitté à l'écho. Je venais d'arriver d'un autre voyage. On était épuisé, on a dormi à 4h du matin. On est arrivé ici à 4h30. 4h30? Non, 3h30, nous sommes arrivés ici. On a vu l'accident. Elle était inquiète, oh, il n'a rien. Tout le monde dit qu'il est réveillé. Je dis, bon, il n'a rien. Il n'a rien. Mais il y a quoi? Depuis il est décédé là, moi je ne peux pas dire. On a vu l'accident. Elle était inquiète. Depuis il est décédé là, moi je ne peux pas dire. J'ai expliqué mon mal-être. Là-bas. Je me suis exprimé là-bas. Mais quand je vais sur les réseaux sociaux, et puis je vois Tina Glamour croisée en train de lutter boisson, hein, les gens, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je suis en colère. Mais moi-même là, ça m'énerve. Je suis couché ici là. Pourquoi je fais ce direct là? Parce que je me pose des questions. Comme elle était dans le néant, comme elle était dans l'obscurité, est-ce que c'est pas elle-même qui avait son fils en sacrifice? C'est la question que je me pose. Parce qu'il y en a marre. Il y a quoi? C'est qui c'est la même? Moi, j'ai perdu ce peu de questions. Comme elle était dans le néant, comme elle était dans l'obscurité, il y a quoi? C'est qui c'est la même? Mon grand-père de même père, même mère, comme mon grand-père de même père, même mère est décédé là. J'ai fait 3 semaines à l'hôpital, mes amis. Mon grand frère, c'est pas mon enfant. Hein. Mon grand frère, même père, même mère. Tellement j'étais dévasté. Parce que pourquoi? Mon grand frère, je l'ai vu. Vous comprenez, non? J'ai vu mon grand frère. Je suis quitté à Abidjan le 11. Je suis quitté à Abidjan le 10. Mon grand frère est décédé le 11. J'étais choqué. Ça là, c'est mon grand frère. Mon grand frère de même père, même mère. Mais nia, Abby, toi, t'es quel? C'est l'autre que tu te parles. Parce que je te parle, non. Tu t'assieds un mot pour manger. Tu t'assieds un mot pour boire. Tina, tu es sa chair. Tu es sa chair. Je suis dégoûté. Je suis en colère. Je suis dégoûté et en colère. Je suis dégoûté et en colère. Mon cœur, elle, je ne sais pas. C'est qui c'est la même? Et surtout, tu es pas toi, tu as cassé la porte de ton enfant. Tu vas insulter la petite là, Carmen. Tu vas casser la porte de ton enfant. Toi, tu vas casser la porte de ton enfant pour prendre son argent. Oh, t'as toi, tu n'as glamour. Tous les malédictions, à la fois, va serrer ton cou. À la fois, de son vivant, je comprends pourquoi il te matait. Ton petit enfant doit être dans tes bras, serrer ça. Tout l'amour. L'amour que tu recherchais, tu parlais de ton fils apparemment à tout le monde. Mais c'est pas ce qui t'inquiétait. C'est pas ce qui était ton souci. Et ça là, moi j'avais compris. C'est Guri qui n'avait pas compris. J'ai dit Arafat. Tout le monde parle d'Arafat. Il est comme ceci, il est comme ceci, il est comme cela. Arafat, Arafat a vécu comme un enfant qui avait un mal intérieur. Et il le démontrait comme il le pouvait. Mal haut, bien haut. Il s'en fichait parce qu'il n'a pas eu ça. Et il a dit, mais nous tous, tout le monde a parlé. Oh, en fait, il est méchant. Comment ta mère peut vivre dans location? Comment ta mère... Moi-même, j'ai dit ça. Comment ton enfant peut vivre dans location? Comment ton enfant peut vivre? Tu es venu, tu as traité de tout. On a dit non, c'est bien maudit ce moment. Toi. Donc, on n'a pas vu. Tina, à quel moment nous on va voir la tristesse dans tes yeux? J'ai honte.
voit pas d'air. J'ai honte. On voit pas d'air. Toi, tu vas poser tes pieds. Mais tu vas t'asseoir. Tu vas attraper sa ramène. Toi, tu as la tête de ça. Ton étoile, Tina, c'est ton étoile à toi. La chance de son père, plus toi, ta chance, se sont mélangés. Et non, moi, voyez-vous, car. C'est non, moi, aidez-moi, non, moi, aidez-moi, non.